aidé, quelqu'un en Jésus peut être aidé, et toutes les difficultés du cœur aussi. Et le voisin de grâce de Louis. Zaché. Oh, un joli nom. Et toi? Quoi? Roland. Et toi? Et toi? Annie. Et toi? Jonas. Jonas, c'est toi? Et toi? Et toi? Christ. Et toi? Ange. Et toi? Marie. Et le petit? Marie. Non, laisse-le. Comment t'appelles? Hein? Quoi? Joël. Comment? Joël. Hein, Joël? On aura le même prénom, ça va? Oui, ça va. Dis Joël, ça va et toi? Joël. Et toi, t'as... Et toi? Et Zadi. Zadi Bappé. Tu es là, Zadi. Zadi Bappé. Les vieux mêmes sont là. La vieille mère, tiens. Comment tu appelles? Mais pourquoi mettez tous les grands soins? Vous êtes à l'école dimanche, c'est ça? Qui aime Jésus? Vous êtes sûr que vous aimez Jésus? C'est ça? Joël, ça va? Tu aimes Jésus? Allez voir. Je vais poser une question très simple. Jésus, qui il est pour vous? Vous levez le doigt, vous répondez. On parle pas ensemble. Oui, toi? Non, tu dis notre. Je dis qui il est pour toi? On fait acclamer. Jésus, il dit Jésus est sauveur, c'est ça? Ça veut dire quoi? Qui peut répondre? Quand Jésus est son sauveur, ça veut dire quoi? Oui, toi? Sauver, ça veut dire quoi? Pourquoi il est sauveur? Oui. Il enlève les gens. Oui, mais comment il a fait pour enlever les gens? C'est ce que je voulais savoir. Est-ce qu'on le sait au moins? Voilà. En se sacrifiant, ça veut dire. En donnant sa vie pour nous. En donnant sa vie. Comment il a donné sa vie? C'est ce que je voulais qu'on explique. Ouais, et toi? En mourant sur la croix. Hein? En mourant sur la croix. Voilà, très bien. En mourant sur la croix. Et quand Jésus-Christ est mort à la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Oui, toi? Non, toi, tu réponds quoi? Oui, toi? Hein? Oh là là! En mourant à la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les péchés de l'univers. L'univers, ça veut dire quoi? Le monde entier. Ah ah, c'est l'univers. Le monde entier, c'est l'univers. On va te demander, c'est l'univers. Oui, ça dit Jésus, il est sauvé parce qu'il a pris toi tes péchés, moi mes péchés, le péché de tout le monde. Vous comprenez? Ça veut dire que nous étions tous pécheurs. Et Jésus-Christ a pris nos péchés. Jésus, il n'a pas, il n'y a pas d'enfants, il n'a pas fait des enfants, il n'a pas fait des grands. There's no kids, no elder person for Jesus. Vous m'avez compris? C'est pour ça que c'est important de croire en lui. That's why it's important to believe in Jesus. Pendant qu'on est petit, il faut qu'on croit en Jésus. When young, you need to believe in Jesus. Et vous devez grandir dans cette croyance. You must grow up in this belief. Plus vous allez continuer de croire en Jésus, the more you believe in Jesus, il finira par vous bénir. He'll bless you. Et ce qui est plus important, is the most important, c'est de respecter la parole de Dieu. Is to respect God's word. Et la parole de Dieu nous dit, and God's word says, dans le livre d'Éphésiens, in Ephesians book, enfant, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Parents, lorsqu'on aime Jésus-Christ, on doit obéir à nos parents. We need to obey our parents. On va bien compris. Et quand on aime Jésus-Christ, when we love Jesus, on doit s'éloigner de la sorcellerie. We must go far from witchcraft. On a bien saisi.
On ne doit pas se retrouver dans la pratique de la sorcellerie. We don't need to be involved. On ne doit pas se retrouver dans la pratique de vol. Stealing. On doit aussi aimer l'école. We need a love school. Vous avez compris? You understand? Le dimanche prochain, je vais revenir encore là-dessus. Next Sunday, I'll come back on it. Dimanche, j'aurai un cadeau à vous donner. I have a present for you. Voilà. Dimanche prochain, next je vais Sunday. Commencer un peu avec vous. Dimanche prochain, je vais vous montrer un chant. I'll show you. C'est comme ça, on va chanter ensemble. So that we can sing together. Qui sait bien chanter? Who knows how to sing? J'ai donné mon petit cœur à Jésus, mon bon sauveur. Il était si bien que le diable, Il était si bien que le diable ne peut rien. Pourquoi c'est ça? Non. J'ai donné mon petit cœur. Je vais lui demander à votre moniteur. Vous êtes à quel passage aujourd'hui? C'est la Bible des enfants, n'est-ce pas? Kids Bible. Et tu auras enseigné. Vous êtes à quel niveau? Where are you now? Quelle histoire? What story? L'histoire de quoi? La création. On vous a parlé d'une histoire de la création. Tu as créé le monde, c'est merveilleux. Non, quand tu commences l'Ancien Testament, finis l'Ancien Testament, je ne voulais pas les embrouiller. Il faudrait qu'ils sachent déjà comment le monde a été créé par Dieu, avant de déboucher ici et la naissance de Jésus. Et qu'ils connaissent déjà, avec qu'ils savent que ce soit des Noël, mais il faut commencer, n'est-ce pas, à parler. Et bien, ouais, on entend le. Parce qu'il faut qu'on vous forme. C'est vous qui êtes l'église de demain, c'est vous qui serez demain les cadres de demain. C'est vous qui allez devenir les ministres demain. C'est vous qui allez bénir demain la Côte d'Ivoire. Et vous devez aimer aussi l'école. Et vous devez aussi avoir l'amour de Dieu dans votre cœur. Amen. Vous devez vous dévoyer de la prière. Je vais prier pour vous en chacun de vous. Je prie que la main puissante de l'Éternel, notre Dieu, soit sur ces enfants. Et que ta puissance, Jésus-Christ, se manifeste dans leur vie. Et que le pouvoir du diable soit jamais vaincu. Mettez la main sur votre cœur. Et je te confie ce cœur. C'est le cœur de ces enfants. Et que Dieu, notre Dieu, permet que ce cœur soit entièrement à toi. Et règne sur ce cœur. Bénis-les. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Béni, hein? On a dimanche prochain, on aura l'occasion de voir d'autres choses.